voulait m'embrasser. Et puis mes dents qui en bas là, c'est petit, petit, ça t'a piqué. Donc en quel coup tu voulais même m'embrasser? Toi tu me draguais. Je ne sais pas comment tu as fait pour m'embrasser. Toi tu me draguais. Tu es le premier, tu es un menteur. Tu es parti. Tu, quand ta grosse bagresse, oui, oui, celles sont compuyantes là. C'est-à-dire que Gugu est en train de montrer son poitou. Et puis il était si rempli de pètes blanches comme ça. André, quelqu'un qui verse poupou non poupou dans son con quand elle jouit. André, qu'elle verse poupou non poupou dans son con pendant qu'elle est en train de jouir. Un con dégueulasse, sale comme ça. Maman, la gars, yaya, wesh, wesh. Il dit, quand j'ai vu, tu as vomi en même temps. Maman, file con maintenant sur nous. Un sale con vilain. Adama. On va avoir con comme ça. Et puis se balader comme ça dans la ville. Yeah! Lave-toi un peu. Yeah! Vous faites ta toilette. Il faut prendre Jeka. Tu vas laver en bas de toi. Pardon. Aïe. Il n'y a pas ballon d'eau chaude sur toi. Tu es en France. Tu te laves. Il n'y a pas ballon d'eau chaude. Tu ne peux pas t'asseoir sur l'eau chaude pour traiter saleté que notre enfant n'a. Ou bien c'est pu. C'est-à-dire que, genre, il y avait un firon dans ton con, quoi. On peut avoir un con rempli de pu comme ça. Mais pète blanche n'est pas pour comme ça. Ton con était dégueulasse, né. Tiens. Et tu es assise dessus. Tu veux t'arrêter, tes femmes. Tu as arrêté ton sale con. Tu parles de qui? Quand tu t'arrêtes, ton sale con, tu parles de qui? Hein? Quand elle est sur sa page là-bas, en train d'inventer les choses, elle a inventé les choses sur celle qui arrête là-bas. Pour dire que toi, tu l'as doigté. Tu n'as rien dit. Tu as fermé ton dagologba. Elle est venue mentir. Pour dire que toi, tu m'as zoyo. Tu n'as rien dit. Mais toi, tu sais que tu peux pas dire ça. Toi, tu es venu tourner les gens comme si tu voulais m'embrasser. Ma bouche, mais toi. Toi, ton visage, je dirais museau de chien. Il y a dit que c'est caméra qui t'arrange. Tu n'en vrai. Tu as la mâchoire développée. Tu ressens ma chien boudoc. Tu comprends? Tu crois, tu vois les chiens, le mélange de bulldog et benjamin. Tu vois comment les visages est là. Tu as ici là, tu as le développement des mâchoires. Est-ce que tu comprends? Quand elle assise sur sa page, en train de mentir matin, midi, soir, pour dire que toi, tu lui as dit si sur une fille. Toi, ton modèle, quoi. Nous, on s'est dit, t'es regardé. Donc, si on t'a posé question, là, toutes les filles qui sont sur les réseaux sociaux, là, c'est toi en voix. Tiens, ça, c'est pas confiance en toi. Ça là, c'est même pas confiance. Si on t'a posé question, là, tous les blogueuses là, c'est toi et voix. Jean, tu viens t'asseoir. C'est la bagresse là, les vieilles caracasses, les femmes qui manquent de mari, les femmes en pète, oui, oui, en pète de mougouli, les femmes, oui, oui, qui gagnent pas Bangala en France, c'est là qui peuvent bander sur toi. Sinon, toi, ton modèle, sont multipliés par 1 milliard. On jette ça à la poubelle. Mm-hmm. Toi aussi, elle est sur sa page en train d'inventer, en train de mentir. Si on t'a demandé là, tu es le don géant. Si on t'a demandé là, tu es, comment on appelle ça, tu es un étalon. Si on t'a posé question, toi tu as Bangala en bas de toi. Tu connais un garçon quand il dit qu'il a Bangala en bas de lui. Tu connais un garçon quand il dit qu'il a Bangala en bas de lui. Je dois croire ce que les filles là disent. Jean, si je dois croire ce que Guy dit, pour dire que toi tu as gros Bangala, c'est que ton Bangala en bas. C'est que ton Bangala, ça ne bande pas. Tu ne bandes pas bien. Ton pendé, ce n'est pas bien. Sérieux. Tu as vu ton modèle même, sérieux. Est-ce que tu as vu ton modèle? Tu t'es bien regardé. Une imbécile comme ça, une chienne, une connasse, une con profanée va venir matin, midi, soir, quand elle en clash avec quelqu'un. Elle dit, toi, tu lui as dit, matin, midi, ça, c'est toi qui lui dis. Matin, midi, soir, c'est toi qui lui dis. Retour à l'envoyeur. Bushka. Tu as pensé que ça chie, tu allais faire du mal. Tu dis, c'est le boomerang. De là à là. De là à là. De là à là. De là à là. Ou casse dans ton visage. Ça n'a pas chauffé. Ou casse. On t'attend. Il faut sortir. Il faut sortir. Il va venir nous expliquer. Mais tout des vieilles gros que tu as donné à Guigui. Il faut sortir. Tu vas venir nous expliquer. Oui, oui. Il faut sortir. Tu vas venir nous expliquer. Tu as causé Guigui en inbox. Faut te vendre un causé Guigui. Et quand tu pleures, donc tu es en danger. Tu te joues les gros bras. Toi, tu sais que tu as perdu le film. C'est gâté de voir comment. Parce qu'on a entendu tes audios, je gueule. Tu veux quelqu'un me te rappeler? On a entendu tes audios, hein? J'attends. Donc tu cherches allié. Ah, tu cherches soutien. Ah. Tu attendais quoi que Guigui vienne m'insulter, quoi? Ton maudia. Oui, oui. Ton babier. Oui, oui. Ta mère, con. Donc tu attendais que Guigui vienne m'insulter. Hein? Moi, j'ai vu Guigui faire ces trucs-là. J'ai compris. Il fallait comprendre.
Et comme tu es un traître, tel que tu voulais que Gugu me trahisse, mais ton bon vouloir s'est retourné contre toi. Oui, oui. Tu voulais que Gugu me trahisse. Jean Gugu va venir me clasher. Jean, comme ça, t'as dit que oui, ça c'est ma mère. Oui, ça c'est. Eh! Il faut boire l'eau. Tu as compris? Moi, Gugu me connaît, qu'est-ce que c'est un clash là? Elle, pour moi, on ne s'appelle même pas. Elle, pour moi, on ne s'appelle même pas. Faut regarder. Oh, y'a! Elle est dans son game, c'est dans mon game. Elle est dans son game, ici dans mon game. Et puis demain, ça tape, on boit nos billets encore, puis on boit nos liquides encore, et puis c'est renoncé. Elle est dans son game, c'est dans mon game. Elle n'est pas obligée d'avoir la même position que moi. Donc, quand elle tente de faire ces trucs, si Chilo, tu m'as vu regarder. Chilo, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma cousine, c'est ma tante. Elle n'a rien à foutre. Gugu, elle prend la position qu'elle veut. Il y a des gens qui sont venus dans mon direct en commentaire. Elle dit, tu vois pas ce que Gugu fait. Gugu est deux en un. Elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, comme tu es malade, tu penses que tu peux manipuler Gugu? Tu penses que tu as voulu la manipuler? Mais comme tu es idiot là, tu finis d'appeler Gugu, tu finis d'envoyer une note vocale à Gugu pour dire non, je suis stressé, j'ai peur. Les soroïdes vont me tuer. Les soroïdes vont me tuer. Si les soroïdes m'attrapent, tu sais que tu es fermé. Y a ton plan que tu as fait pour jeter prise de pute là. Tu sais que tu es fermé. Payez là, si c'est gâté. Oui, oui, tu sais que tu es fermé. De toute façon, on a entendu dans ton enregistrement. L'enregistrement est là, hein. Oui, oui. Mais je n'ai pas le droit de mettre. De toute façon, on a entendu ton enregistrement là. Oui, oui. De toute façon, on a entendu ton enregistrement. De toute façon, tu as enregistré ce rôle. De toute façon, tu l'as enregistré. Tu sais que tu es fermé. C'est mort. Tu t'as Abidjan maintenant. C'est fini pour toi. Tu t'as Abidjan. Si, j'en sais rien. Si ce rôle prend pouvoir demain, c'est jamais. C'est mort pour toi. Oui, oui. Ça veut dire que même si les vieux là sont plus là et que les jeunes viennent et que Soro devient présent, c'est mort pour toi. Tout combat que tu as fait sur la toile, oh quand je suis Soro, oh quand je suis Soro, c'est né. Oui, oui, tu penses que Dieu là, ça condamne, putain, non, le Dieu te condamne. Plus personne ne va te faire confiance au GPS. Tu sais que tu n'appartiens plus au GPS. Et puis c'est pas comme si, genre, non, tu as trahi, tu as enregistré le leader, c'est né pour toi. Bon. Il a dit, tout, il y a nudité des filles que tu as déposées là. Et puis pour toi, c'est fois deux. C'est deux filles qui t'ont maudit. C'est deux filles qui se sont mis à genoux, qui ont crié à Dieu pour dire ce bâtard, il doit payer. Et puis Dieu a exécuté à la minute, ça n'a même pas chauffé. Il a dit, notre mémoire encore fraîche, une histoire. Mais, il y a, en 72 heures, ta vie est bousillée. Carrément, ça ne chauffe pas. Tu es fermé. Personne ne va te faire confiance dans ton parti politique parce que tu es un enregistreur. Et puis tu t'en fais écouter aux gens. Oui, oui, tu fais écouter à une go que tu es Mougou. Et tu te jouer les dangereux. Pendant que tu n'as rien, tu lui demandes, hein, tu te jouer les dangereux. Et puis tu fais écouter encore au téléphone à un autre gars. C'est-à-dire que, oh Dieu, enregistrement que tu as à cause de Peter, seront appelés. Tu l'enregistres. Et puis tu fais écouter dans toute la ville pour te donner un genre. C'est mort. En tout cas, il faut prier pour que Blé Goudé devienne président. Il faut prier que Blé Goudé devienne président. Il faut prier. Peut-être c'est Blé Goudé ou bien je ne sais pas qui. Mm-hmm. Sinon, le président actuel, c'est mort pour toi. C'est fini. Tu as fait 100 ans. Ton corps même on va refuser que ça rentre en Côte d'Ivoire. Pour ça que Bouba Bilo l'a soulevé pour voir en Côte d'Ivoire. Pour toi là même, là, c'est fini. Ça ne va même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ça va rester ici en France. Au chaud. Mm-hmm. Ça va tout. De toute façon, tu as voulu trahir putain, c'est comme ça. Tu t'en vas dire à Gugu, Gugu même pleure pour te demander pardon, parce qu'elle ne savait pas que tu allais prendre comme ça, parce qu'elle a son ramba, hein, cette vieille bagresse-là. Cette vieille bagresse-là, quand elle est en train de traiter, Gugu décide qu'elle a les preuves, parce qu'elle travaille à l'hôpital, qu'elle a le comment on appelle ça. Et voilà, les gens pour dire que Gugu ne peut pas partir à Abidjan. Gugu va partir à Abidjan bien. Elle va partir à Abidjan bien. Si, elle peut rien créer sur Gugu. Parce qu'elle a dit que elle a un dossier médical de Gugu à l'hôpital. Qu'elle a les preuves que Gugu a sida. Quand ils vont arriver au tribunal, là, ça va se passer même chose. Comme ça s'est passé là. Débat public dégagé du tribunal. Débat public dégagé du tribunal. La seule plainte qu'il peut prendre ici, là, c'est plainte de chilopi, plainte de comment on appelle ça, marque de maths. C'est la seule plainte qui peut passer, puis on va condamner ces deux imbéciles là. Sinon pour Gugu, puis pour cette con pourrie là. C'est débat public sorti. Oui, oui. Oui, parce que traiter quelqu'un d'avoir le VIH, là, c'est grave, c'est condamnable. Ça atteint aussi à la dignité humaine. C'est atteinte aussi à la dignité humaine. Voilà.
Elle n'a pas envoyé preuve de ça. Elle est venue s'asseoir, s'est fait ouvrir sa bouche. Attends, Gugu a envoyé le preuve de son pétou pourri. Oui, oui, son pétou est gâté. Ton pétou, ça a jeté. Comment pourquoi ton mari est devenu... ton mari est alcoolique même. C'est-à-dire qu'il boit poupou dans poula. Je comprends, il est tout le temps dehors, dans les fesses des petits. Il va qu'il rentre à nous et voit un con pourri. Ton con est pourri. On peut avoir un con pourri comme ça, maman. Un con profané d'après mon nom. Un con putréfaction, maman. Ton con est laid. Yeah! Ton con est laid. Yeah! Yes! On peut avoir filé con comme ça. C'est gâté. Il a récupéré Gugu, c'est fini. Gugu t'a fermé. Plus d'habitude, toi, et puis Gugu. Elle est là. En chaud. Tu es lutté à moi. Tu peux lutter à moi. Tu as voulu lutter à la présidentielle et moi, t'es mis KO. Oui, mais tu as manigancé plein. Tu as appelé tous ces blogueurs qui sont en train de faire. Et tous les états dans le comité, tous ont voté pour toi. Il les regarde de loin. Moi, je connais les gens qui ont me trahi, puis je connais les gens qui sont honnêtes. Ça ne chauffe pas. Dieu m'a donné l'esprit du discernement. C'est même pas un débat. Il y a discuté avec quelqu'un. Tous ceux qui sont des palais, ils savaient qu'ils allaient me trahir un jour. Oui, oui. Ils faisaient parce que Dieu me mettait à cœur de faire, c'est tout. Sinon, le reste, j'en ai rien à battre. Aujourd'hui, là, ton cul est dehors. Oui, oui. Parce que la grosse pute, la grosse bagasse, oui, oui. La grosse bagasse dont Banderas, lui, il a beaucoup tout le monde, mais sauf toi. Si ton con maintenant est dehors. Si ton con est dehors, pour toi, là, seulement, c'est pas pour Chilo. Pour toi, là, ce moment, c'est pour maths de maths. Dieg Bagras. Pour toi, là, ce moment, c'est pour maths de maths. C'est ça qui est pour toi. Oui, oui. Maintenant, pour Chilo, là, c'est ce qui arrive à cet imbécile de Banderas, là. C'est ce qui lui arrive. Oui, oui. Parce qu'il ne savait pas que Chilo l'enregistrait. Oui, oui. C'est l'erreur dans son calcul, dans son plan machiavélique, dans son plan toxique, dans sa méchanceté. Il ne savait pas. Je t'ai dit que la nature aurait du vide. Il ne savait pas. Que la fille s'y enregistrait. Oh mon Dieu. Révélation. Il ne savait pas que la fille l'enregistrait. Jusqu'à il est assis, quand il est étonné. Toi, tu enregistres quelqu'un pendant que tu étais boué. D'après toi, tu fais photo à la personne. On te dit que la personne t'enregistre, tu es fâché. Ça te fait mal, ça te doule. Tu ne connais pas encore. Quand tu fais à quelqu'un, on te fait. Et dis, quand tu fais réaction de miroir, reflet, ça je trouve pas. Toi, tu es en train d'enregistrer la fille. Tu pensais qu'elle n'est pas enregistrée. Tu es malouette. C'est pour ça qu'on dit là, ne faites pas aux autres ce que tu n'aimes pas quand tu fais. Parce que tu fais à quelqu'un, tu fais. Ça ne chauffe pas. C'est la loi de la nature. C'est comme ça. Tu fais à quelqu'un, on va te faire aussi. C'est comme ça. Hein? Donc, dès la main, tu as pris ton téléphone et puis tu as commencé à enregistrer. Il faut te dire que la personne que tu as enregistrée, on t'enregistre quelque part. Il faut savoir ça. De toute façon, les gens sont indiqués, quand tu regardes dans le cul de ton ami, ton anus est ouvert là. C'est ça qu'elle a. Oui, oui, tu n'avais pas calculé dans ton plan machiavélique que la fille-ci avait des enregistrements qui te compromettaient. Tu n'avais pas calculé. Et puis, bim, dans ta face. Oui, oui, elle n'a pas eu peur parce qu'elle a eu, elle a vu le courage d'une fille, d'une Edwige. Oui, oui, elle a vu la détermination d'une Edwige. Je dis qu'au village des gâté, là, c'est gâté, c'est roi. Une fois que c'est gâté, on gâte tout. Donc quand tu as gâté ses photos, elle est sortie en même temps. Tu n'as pas vu ça venir. C'est pour ça qu'elle est défendue. Oui. C'est pour ça qu'elle est défendue. Parce qu'elle a été femme. Elle a porté ses ouverts. Et puis elle est sortie. Elle n'a pas regardé à gauche, elle n'a pas regardé à droite. Elle a récupéré sa dignité, ça n'a même pas chauffé. Elle a fait bouquet. Folie vous a pris jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, tu empêtes tes vidéos, ton esprit voltige. Vous faites des sorties hasardeuses. C'est à cause de Chilo, tu as perdu le repère face à Gugu. Oui, oui. Parce que nous tous, on a vu. C'est toi qui as trahi Gugu. Pas que Gugu allait vers toi. Gugu t'a soutenu. Quand tu as fait ça, nous tous, on était derrière Chilo. Gugu seul est monté dans son direct. Toutes les femmes étaient indignées parce que Gugu a été loyal vis-à-vis de toi. Gugu est rentré dans ton. Moi, j'étais chez moi, j'ai dit, yeah, Gugu fait quoi comme ça? Un gars qui dépose la nudité des femmes sur les réseaux sociaux, elle fait quoi là-bas? Moi, j'étais choqué, mais il fait ma bouche. Oui, oui. Il fait ma bouche. Il était assis, je me dis, yeah, Gugu est dans le direct de Banderas là-bas, en train d'insulter la pauvre fille, on a mis son couteau dehors. Jai, il ne savait pas que Dieu était en train de préparer un plan
pour faire sortir ton vrai visage, ton vrai fond. Quand cet imbécile a mis sur sa page là-bas pour dire que Gugu, que toi tu lui as dit, que Gugu là, tu as pris la vidéo. Oui, oui. Tu ne pouvais pas lui dire. Tu ne pouvais pas lui dire, mais tu ne pouvais pas faire poste pour dire que Gugu c'est faux. Je n'ai jamais dit ça à cette vieille bagresse là. Tu ne pouvais pas faire. Toi, tu pensais que Gugu allait se taire. Tu pensais que Gugu allait se taire. Elle utilise ton nom. Est-ce que tu es intelligent même? Elle utilise ton nom pour mentir sur les gens. Et puis toi, tu as si tu fais rien. Et puis tu envoies une note vocale à Gugu. Non, je suis persécuté. On m'a attrapé. Donc tu ne sors plus de chez toi. Hein. Tu es persécuté, mais tu mentais. Mais toi, tu es un manipulateur. Tu pensais manipuler Gugu. Mais Dieu t'a fait ressortir encore. Et tu es venu t'asseoir gaillardement pour dire Gugu, tu la fermes. C'est toi, il faut la fermer. Oui, si tu ne comprends pas, il faut fermer ta bouche parce que ta bouche parle trop. C'est ça le problème. Tout le problème, c'est toi. Tu as humilié cette femme-là qui ne connaît pas sa place-là. Oui, il fallait que ça vienne de toi. Oui, il fallait que ça vienne de toi parce qu'elle était sur les réseaux sociaux-là. Elle était trop arrivée parce qu'Edwige lui a donné visibilité-là. Elle pense qu'elle est trop arrivée. Oui, oui, parce qu'elle faisait partie de mes lécheurs de bottes, ceux qui léchaient mon cul-là. Faisait partie, oui, oui, des pimpins qui étaient derrière moi en train de sniffer ou bien sentir l'odeur de mes fesses. Elle en faisait partie, oui, oui. Quand ils l'ont soulevé, chargé, Wakatologue a mis un audio sur ta page. Va le répondre à Wakatologue, hein. Va répondre à Wakatologue, oui, oui. Elle dit, faut venir mettre la preuve. Quand les gens sont en train de te limer pour dire que c'est toi qui es derrière la page Busta, là, les gens sont en train de te limer, t'insulter. Genre, ah, donc tu causes des Wakata, tu dis que non, que toi et puis moi on a parlé et qu'il n'y a rien. Ah, donc Anine Boss était quelqu'un de bien. Mais tu n'as pas manqué de venir t'asseoir sur Facebook. Tu es venu t'asseoir sur Facebook pour me traiter de quelqu'un qui était en dépression. Oui, oui. Il te voyait venir. Parce que quand tu as commencé à faire défense, oui, oui, quand les gens commençaient à te harceler pour te dire pourquoi tu laisses Edwige faire certaines choses, tu es sorti pour dire qu'il était en dépression. Je t'ai vu. Il te regardait. Tu es une traite. Tu n'as jamais. La loyauté n'existe pas chez toi. Tu es une traite. Oui, oui. Je savais forcément que tu allais trahir Banderas. Oui, quand j'ai vu ton premier poste où tu as écrit que Banderas t'a dit que moi, il m'avait boué là. Quand j'ai vu là, je me suis dit que c'est moi encore. Il va se jouer le gangaba. Oui, oui. Il va se jouer le gangaba. Mais quand Gugu est sorti à allumer ton Bouddha, folie t'a pris. Tu as changé. Tu viens t'asseoir. Que Banderas m'a dit si, tu es en train de le trahir. Il n'a pas qu'air. Babier. Il n'a qu'à s'amuser. Il n'a pas qu'air. Hein? Vous êtes vendus, vous deux. Ben, vous êtes bêtes. On vous a dit depuis le début que vous êtes bêtes. Vous faites ça. Vous pouvez. Il dit, le classe, c'est l'intelligence, c'est plus la résistance. Ce n'est pas la bêtité. Ce n'est pas de sortir comme Banderas pour venir raconter tout et n'importe quoi. Hein. Tout ce qu'il disait, ça n'avait aucun sens. Qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il voulait l'embrasser. Toi, tu peux m'embrasser. Toi, tu peux m'embrasser. Quand tu me vois comme ça, dehors là, est-ce que même tu peux t'arrêter à côté de mes orteils, imbécile de sodium? Non, c'est pas devenu concours de Kpetou. Est-ce que tu as vu Kpetou de Chilo? On n'a pas vu Kpetou de Chilo. Chilo était habillé. Quand on dit nudité, là, c'est simplement pour dire que son intimité. Sinon, Kpetou de Chilo n'est pas sorti ici. C'est pas Kpetou de Chilo, c'est Kpetou de comment ça s'appelle? Le Kpetou profané de la vieille tapeuse de Bazel. C'est elle, son Kpetou est sorti. Dans cette histoire qu'on entend me parler là. Sinon, tu as vu Kpetou de Chilo? Non. Chilo a porté son pantalon. Elle a porté pantalon. Mais ils ont mis au boticot, c'est son visage, ils m'ont envoyé. Donc, on n'a rien vu de Chilo ici. Oui, oui. On dit parce que ça nous a montré que Banderas était là et puis il a pris photo. Sinon, on n'a rien vu. Et puis, Chilo, on n'a rien vu. Voilà. On n'a pas vu Kpetou de Chilo. Ne partez pas vous promener partout pour dire qu'on a vu Kpetou de Chilo. Non. On n'a pas vu Kpetou de Chilo. Ce qu'on a vu là, c'est Kpetou de cette vieille bagresse là. C'est son Kpetou qu'on a vu. Et voilà. C'est parce que la dignité de ces femmes ont été bafouées. C'est pour ça qu'on dit qu'on a mis leur nude. Sinon, elles étaient en caleçon soutien, pantalon soutien, donc il n'y avait pas de nude dedans. Mais c'était par rapport à leur dignité qu'on a appelé ça nude, parce que c'est des parties qui sont. Elles étaient dans un endroit intime. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce thème. Donc ne partez pas dire qu'on a vu nude de cette fille-là. Hein. Et quand il dit nude, ne partez pas dire qu'on a vu Kpetou de cette fille-là. Hein. Ne partez pas dire ça. On n'a jamais vu le Kpetou. C'est le Kpetou de la vieille bagresse, là. C'est ça qu'on a vu. C'est ça que Banderas a tiré photo
pour aller se vanter chez Gugu. Oui, oui. Pour aller se vanter chez Gugu, il a pris photo. Oui, oui. Parce que quand lui, il est dans ton téléphone et puis il te drague là. Maman, il va te dire que le ciel va quitter pour tomber. Mm-hmm. Quand il est en train de te chercher là, il va te dire que sa grand-mère, oui, oui, sa grand-mère disait ton nom quand il était dans le ventre de sa maman. C'est ce qu'il va te dire. Quand il est en train de te draguer là, il va t'expliquer que la lune là, c'est un bout de lune. On a pour dessiner les traits de ton visage. C'est ce qu'il va te dire. Mm-hmm. Et quand tu es une femme intelligente, et puis quand tu vois ce genre de personne à venir te draguer avec les paroles qui n'ont ni tête ni queue, genre comme quand on était au collège, et puis les hommes et les garçons, ils écrivaient, et quand je te vois matin, je ne peux pas dormir, j'ai mal au ventre comme si j'ai la diarrhée. Vous voyez les poèmes d'avant, hein, que les garçons bizarre écrivaient, tu es jolie comme je t'aime comme mouche, aime caca là. Vous avez dit, il y a un gars qui, je pense qu'il y a déjà un gars qui vous a déjà dit ça dans votre école. Dans votre école, là, je pense qu'il y a déjà un gars qui vous a dit, je t'aime comme mouche aime caca. C'est un modèle de grand gars. Quand il vient te draguer, là, c'est ce qu'il va te dire, je t'aime comme mouche aime caca. Mm-hmm. Quand tu vois ce genre de modèle, bah, il faut fuir. Il faut fuir les beaux parleurs, les gens, leur bouche est sucrée comme ça. Là. Il faut prendre en même temps. Oui, oui. C'est dans ça, là. Il est parti chez Gugu là-bas. Mm-hmm. Oui, oui. Comme il voulait bader Gugu là. Hein, là, Gugu dit que c'est vrai, oh, mon cher. Ils sont retrouvés en train de gratter. Gugu dit que c'est vrai. Donc, comme il voulait bader Gugu là, il est parti prendre tout. De toute façon, il l'a fait avec sa femme, on a vu là. Prendre les filles là pour aller donner à sa femme pour que sa femme va mettre sur les réseaux sociaux là. C'est comme ça, il est parti prendre tout. Oui, oui. De la vieille magresse. Parce que. Oh, ton pétou est dehors. Aujourd'hui, il y a drap. Oh, ton pétou, il faut apporter la preuve. Il faut apporter la preuve. Maman, tu as vu la preuve, si. Est-ce que tu as vu la preuve, si? Toi, tu mens si les gens battent les soins. Tu n'as jamais envoyé preuve. Mais toi, ton cul est dehors. Avec notre vocal, tu dis, on a apporté preuve. On a apporté notre vocal, tu dis, que c'est rumeur, notre vocal de celui qui t'a binda, c'est que c'est rumeur. Voici ton pétou, ya ya yo ya ya yo yo. Ah, pétou, c'est ah, pétou, 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 le pétou profané, le ya, oui, oui, le pétou est dehors. Tu dansais sur le pétou de ta camarade. Tu dansais sur le pétou de ta camarade. Yo, ah, pétou, c'est pas, ah, pétou, bah, pétou, ah, ils sont descendus, oh, ils sont allés chez Love Gugu, ils ont fait sortir le pétou, le pétou, le pétou, le pétou profané, le pétou pourri, le pétou baveux, le, ton pétou, il a mis crachat dans ton pétou. Lui, il a mis crachat dans le pétou, les gens. Ce travail, il a mis crachat et dans ton pétou et dans ton cul. Ils ont voyé crachat comme ça, père, il a craché comme ça, père. Il a craché ton père. Yeah. Yeah. Il a craché dans ton pâté comme ça. Père. C'est qu'on voit cracher là comme ça. Il a craché là-bas dans ton cul. Et Dumba God à côté de toi. Yeah. Et la fille, si elle aime les trucs salaces, tu aimes les trucs dégueulasses. Tu aimes les trucs, tu as les choses qui sont sales. Ça, c'est craché là-bas. C'est des tout. On a raclé gauche pour faire sortir. Pour faire tomber mort, comme ça, il a craché dans le pétou, comme ça, bla, il a filmé. Voici ton pétou maintenant. Ah, pétou. Ah, pétou. Oui, oui, oui. Tomba, pétou sur nous maintenant. Tumba pétou sur nous. Un pétou bobo. Parce que les bobos, ça nous entend ton pétou comme ça. Quand là, on voit ton pétou. Regarde. Modèle de pétou sur nous. L'eau modèle remplie de crachats maintenant. Parce que modèle de pétou sur nous. Yeah!
Tu vas chercher ton pain, tu es salé. Il parle de ça le temps. Ça, il a raclé tout crachat qui était dans le coche, tout mauve là. Tout ton pain, tout. Adama. Adama. On peut écarter. Tu écartes le pain. Tu as écarté le pain, tout. Tu as écarté le pain, tout. Tu as écarté le pain, tout, même. Tu as écarté. On peut se photographier le pain, tout, le pain, tout, le pain, tout, le pain, tout. Le... On peut se photographier le pain, tout, comme ça. Tu as écarté comme ça. Tu as soulevé tes pieds comme ça. Tu as craché, ça a coulé quand ça a parti rentrer dans ton cul comme ça. Yeah. En tout cas, pas tout de l'eau est plus joli que pour toi là. Voilà, il blague. Non, non, ton pétou est plus joli que pour celle-là. Yeah! Lolo, tu as vu pétou là? Est-ce que tu as vu pétou de la femme là? Non, Lolo, toi tu as joli pétou. C'est moi qui j'ai dit ça. Je confirme aujourd'hui. Oui. Tu as ton pétou est joli, Lolo. Ton pétou est joli. On a vu le pétou le plus laid. Le pétou le plus laid du monde. Pétou le plus laid. Oui, Lolo, ton pétou est joli. Je retire ce que j'avais dit la dernière fois là. Je ne l'avais pas vu. En tout cas, il y a un modèle. Pétou, bien, pétou, hein. Pétou, elle est jolie. À partir d'aujourd'hui, Lolo, ton pétou est joli. Oui. Et puis en plus, tu dis que tu es parti arranger. Ton pétou est joli, Lolo. Tu as du pétou de la femme là. Yeah. Voilà. Je vous ai dit, c'est bois de pleurer. Je n'ai pas mis son pétou. Je vous ai dit, vous avez vu God qui est à côté là. Ton bas God comme ça. Et puis, il y a le. Yeah. Maman, gay. Maman, langaï. Hey. Non. Yeah. Lolo, pardon, demande pardon. Je retire ma parole. Je retire. Il y a pétou et puis il y a pétou. Yeah. Et Lolo, c'est ta vue pétou de cola. C'est filé. Yeah. Maman. Il y a des garçons qui souffrent. Il y a des garçons qui souffrent. Hey. Tu t'en de chambre, tu enlèves habit de la fille. Voici pétou la cola. Non, il y a un garçon qui souffre même. Oui. Les garçons souffrent. Je comprends pourquoi les garçons ils aiment éteindre la lumière pour beaucoup. Parce que c'est que s'ils voient, il ne va plus bander. Toi, tu es beaucoup dans le noir. Oh, tu es beaucoup dans le noir. Un masque de COVID. C'est que toi, tu es beaucoup dans le noir, un masque de COVID. Yeah! Je comprends pourquoi les garçons aiment éteindre la lumière. C'est quand il rentre dans son gars là, il était la lumière. C'est pourquoi tu étais la lumière? Tu étais la lumière pourquoi? Pourquoi vous avez mouru dans le noir? Allume le bien là-bas. On va se regarder pour ses belles ébites. On va se regarder yeux dans yeux pour ses belles ébites. Pourquoi tu étais la lumière? Tu penses que je suis mon con et comme. Oui, je comprends pourquoi les garçons. Parce qu'il y a des cons dehors. Il y a des cons qui sont dehors, maman langue. Il y a modèle, il y a con, et puis il y a con. Oui. Il y a con, et puis il y a con. Yeah. Je suis dépassé, je suis choqué. Je suis horrifié. Je dis, j'ai vu con, là, il dit, gris par le coup, pardon. Pardon, faut laisser, c'est trop vilain. J'ai vomi, il de vomi. Il dit, gris, pardon, faut couper. Il de vomi. Il dit, tu m'emmènes. Ta mère, con, il dit, mon con et ma maman est jolie. Con et ma maman est jolie. Ouais. Ouais, yeah. Quand ma maman est jolie, ya! Yeah. Elle dit ta mère quand elle dit oui, pardon, coupe le direct là, tu vas nous tuer. Aïe, on peut faire ça. Hey, demain, il a utilisé son photo de profil. Oui, oui. Mm-hmm. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est ton pétou. On a vu tes doigts, tout la vidéo, la gugu m'a montré, je t'ai vu. Oui, oui, je t'ai vu. C'est pour ça qu'il dit que coupe, pardon, coupe, j'ai vu, c'est toi, c'est pas que c'est toi, j'étais vu. J'ai vu, puis j'ai vomi. Oui.
Banderas a souffert, c'est pour ça Banderas. Hey, Banderas doit te donner au moins 1500 euros par mois. Hey, Banderas, tu souffres. Tu t'en. Yeah! Yeah! Je comprends pourquoi ton ventre est gonflé comme ça. Si tu mets ton. C'est que autour d'air de quoi tout là, ça rentre dans ton gonga là, ça gonfle ton ventre. Je comprends, mais pourquoi le gars il a gros ventre comme ça? Hein? Pourquoi son ventre est gros comme ça? Car c'est odeur de quoi tout. Qui fait que son ventre est gros comme ça, ça gonfle. Faut faire attention, hein? Faut attention. L'argent est bon, hein? Mais la santé. Sinon, là est bon, hein? L'argent, là est bon. Mais la santé d'abord. Et on peut puiser dans le caniveau comme ça. Tu lances ton seau dans le caniveau comme ça. Et puis tu prends l'autre, tu bois. Aïe! Yes, 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 yes. Je suis mauvais. Peut puiser dans le caniveau comme ça, malangaï. J'ai vu les vieux cons là, j'ai vu. Ya! Ya! Chino, il faut aller te laver. Chino, va te laver. Mat de mat, il faut aller te laver, con ça là. Astico! Mon gars là, il doit avoir Astico dans son manga là. Allez prendre traitement antibiotique. Vous allez vous soigner. Allez prendre antibiotique. Bon, là, il a Astico dans son. Bon, là, il a Astico dans son manga là. Allez vous laver. Dieu merci qu'il n'a pas mouru. Dieu merci, c'est Dieu qui a sauvé Gugu. C'est Dieu qui a sauvé Gugu. S'il avait mouru Gugu. Que c'est Dieu qui t'a sauvé. Yeah. Tu as merci qu'il n'a pas bandé pour demain, ouais. Astico dans son manga là. Il y a combien il a rendu compte de la Jade. Hey. On peut pourri compte de quelqu'un comme ça. Hey. Non. Hey. Elle a écarté comme ça. Oh Seigneur. Hey. Maman qui t'a envoyé dans les cartes comme ça. Quoi là, non? Quoi comme ça, c'est nous? En tout cas, j'espère qu'il va pouvoir dormir. Il faut que j'arrive à enlever cette image de ma tête. Mais qu'elle ferme mes yeux. Je vois con. Je pense que ça va me perturber pendant au moins des jours. Quand je ferme mes yeux comme ça, c'est quoi en même temps, il voit, il me lève. Hé hey! Par contre, tu dois faire une prière générale. Parce qu'on a trop vu de quoi. Parce que con ça là, j'ai gugu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Aïe! Oh, un loup con. C'est-à-dire que le con est loup comme ça. Et puis il est fatigué. On n'arrive même pas à distinguer les grosses lèvres des petites lèvres et du clitoris. Ya, on va voir les prêtous ici sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on va voir les prêtous. En tout cas, moi, pour ceux qui vont venir me bougou là, j'étais la lumière. J'étais la lumière, à partir d'aujourd'hui. J'étais la lumière. À partir d'aujourd'hui, j'étais la lumière. Oui. À partir d'aujourd'hui, j'étais la lumière. On prend tous les téléphones. On met dans boîte, on ferme. Ya! Yeah! Les téléphones vont rester dans la boîte aux lettres. On te pose les téléphones dans la boîte aux lettres. Quand tu t'en vas, tu prends ton téléphone, tu pars. Yeah! On met tout dans la boîte aux lettres. Oui. Quand tu rentres dans ma maison, tu es nu. Il regarde dans ton cul pour voir s'il n'y a pas caméra. Maman, la gueule. C'est quoi, c'est comme ça? Hey! Afin de bloquer un peu plus beaucoup. Afin de bloquer. On s'est mis dans quelque chose. Hein. Donc, dans affaire de bloquer là, on ne m'ouvre plus. Il y a des demandes. Donc, affaire de bloquer. Attendez, posez une question. Vous riez pourquoi? Affaire de bloquer. Attendez, ne faites pas ça. Affaire de bloquer là-dedans, il ne faut plus en m'ouvre. Non, vous êtes sérieux. Affaire de bloquer là-dedans là, il ne faut plus en m'ouvre. On ne m'ouvre plus. Pourquoi vous faites ça, vos enfants? Pourquoi vous faites ça? On vous a fait quoi? Non, sérieux.
c'est pas un con. Ya. Donc, on faut plus en mougou. Eh. Que oui. On est dans quoi? Allez, on est dans quoi? Et c'est plus de quoi tout sur nous. Hey, si t'as un mougou, ton cœur bat comme ça. On peut aller mougou en danger comme ça. On peut aller mougou en danger. C'est si t'as un mougou, et puis tu es en danger. C'est si que le gars te fait un watal.